Là, c'est mieux. Genre, c'est. On est comme ça. On est comment? On va sortir de l'eau. Ça commence bien. C'est bon. Tu peux pas aller pencher. En fait, on n'est pas penché. C'est la caméra qui est penchée. En tout cas, je pense, j'espère. Attends. Hey, maman. Tu es prête? Tu es prête ou pas? Je suis riche. Ok. Je vais aimer les tenues, les looks que j'ai choisi pour toi. J'espère. Bon, la soirée, bon générique. Hein. Bon, dis générique. Générique? Down. Coucou la soirée, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va. Je suis avec... Yasmine? Maman, je n'avais même pas demandé ton nom. La fille a été déplacée, elle est venue chez moi, il n'a même pas demandé son nom. Yasmine, qui est une de mes chouris, qui est devenue maintenant ma CP. En fait, j'ai choisi des vêtements pour Yasmine, j'ai payé. Je vous avais demandé sur Instagram de justement participer au tirage au sort que je voulais faire. Et en fait, c'est Letty Shop. C'est Letty Shop qui m'a donné des sous pour que j'achète des vêtements pour un ou une abonnée sur Letty Shop. Du coup, je suis allé dans Letty Shop. J'ai pris les robes sur Asos. Et du coup, Yasmine va essayer et elle va me dire si les robes que j'ai pris pour elle là, si ça lui fait ou bien si ça ne lui fait pas. En tout cas, moi j'ai pris les robes en fonction de... Comme je me sens femme, je me suis dit, ah, moi en tout cas, c'est ça là que j'allais porter. Donc c'est comme ça que j'ai pris les robes. Donc j'espère que ça va te plaire. On va parler de Letty Shop qui justement a permis à Yasmine d'avoir les Srekeli, cadeau. Letty Shop, c'est une application de cashback. Je vous ai déjà dit ça. Quand tu vas sur Letty Shop là, il y a beaucoup de magasins comme ça. Il y a Shein, il y a Sauce, il y a beaucoup. Moi j'ai choisi à source et en fait quand tu achètes sur Letty Shop on te rembourse une partie de ton argent. C'est ça, on dit que le cashback. Donc je vous avais demandé sur Instagram de vous inscrire sur Letty Shop et de me montrer votre identifiant Letty Shop pour prouver que vous êtes vraiment inscrit. Puis j'allais tirer une personne au sort et la personne allait avoir les habits cadeaux. Puis on allait faire la vidéo. Tu es contente? Je suis très contente, ça me fait. Ah ok. Donc n'hésitez pas, j'ai mis le lien en description pour que vous vous abonnez et vous vous inscrivez sur Letty Shop. Franchement, cashback. Quand j'ai acheté les habits de Yasmine là, on m'a remboursé une partie de l'argent. Donc n'hésitez pas. Et quand vous remboursez, vous pouvez mettre l'argent soit sur PayPal, soit sur votre compte bancaire ou votre compte PayPal. C'est vous qui décidez. Bon Yasmine, voici tes habits. J'espère que c'est. Voici tes fréquences. Ça coûtait cher. Hein? Donc c'est 6 robes. Tu vas porter robe par robe et puis on va voir ce que ça donne. La chambre. La chambre est désordonnée, mais c'est une chambre quand même. C'est déjà ça. Ah, c'est déjà ça. Allez changer, mamie. En tout cas, moi je suis très content de mes choix. J'espère que tu vas aimer. Même si tu n'aimes pas, c'est ton argent. C'est un cadeau. Bon, Yasmine allait se changer. Elle va porter la première robe et elle-même va noter. La première, là, c'est bon, hein? Je vous ai dit que moi je peux dépasser Christina Cordula. C'est sûr de voir la première là. Je peux dépasser Christina Cordula. Les gens d'M6, venez me prendre, déposer mon M6. Les reines du shopping. Ou bien les rubis du shopping. Je vous fais ça bien. Tu dis quoi? Tu as aimé, non? C'est moi. Moi-même là, je peux être styliste. Hey, c'est moi. Il y a beaucoup de stylistes à Abidjan là-bas là. Ils ne savent pas dessiner, mais ils disent qu'ils sont stylistes. Ils ont juste le goût des habits. Ils savent comment coller pour que ce soit joli. Mais ils ont pris styliste pour mettre sur eux. Non, moi-même, là, si on fait bien, je suis styliste. T'es prêt? Je suis prêt. Waouh! Hey, Seigneur, je suis fort. Oui, viens. Maman, assieds-toi. Attends. Vous-même admirez la robe. Tu veux, tu me donnes combien? Franchement, 19,50. Ah voilà, merci beaucoup. Vas-y, en fait, c'est vraiment le détail du bas et tout, comment ça rentre dedans. Même la couleur, c'est un peu bouffant, mais ça dose. Exactement, tu vois le décolleté là, comme ça. Le décolleté plongeant. Ouais, franchement. Ça, on plonge jusqu'en se noir. J'aime trop. En tout cas, franchement, encore une fois, j'ai choisi les vêtements en fonction de mes goûts. Parce que moi, c'est parce que je suis une garçon. Mon petit garçon là, même c'est ça, il met les crop tops. Si j'étais femme, j'allais porter que les décolletés. C'est-à-dire que toujours. C'est Dieu qui a fait. C'est-à-dire que Dieu me voyait déjà. Il s'est dit que lui, là, si des femmes, c'est pas bon. Donc, 19, c'est quand tu veux. Ouais, franchement, c'est trop joli. Ok. On dit merci qui? Merci, Letty Shop. Merci, Kevin. Merci, Yasmine. J'ai aimé la robe. Franchement, elle donne bien. J'aime trop. Prends ça, même le jour, tu portes pas jusqu'à ça te fatigue. Tu peux me donner? Non. Ah, mais fais. Va te changer. C'est pour moi. Vous avez vu. Vous me critiquez, c'est que je n'ai pas de goût. Oh, Kevin, tu sais pas t'habiller. Voici mes choix.
C'est moi qui ai choisi. J'ai regardé sur Asos, sur Asos, sur Asos. Et puis c'est ça là j'ai pris. Il y avait beaucoup de robes. Je pouvais prendre une vilaine robe. Et c'est ça là j'ai choisi. Mais parlez. M6 n'a pas venu me chercher. On va faire que les rubis du shopping. Ça a dosé. Ça a dosé. Je veux même pas être jury. Je veux être dans le concours, dans la compétition. Ou bien on prend les influenceurs là. On dit que faites le shopping. Habillez-vous, on va voir qui va gagner. Je vais les gagner tous. Parce que Jojo le comédien même ne sait pas s'habiller. Il s'habille comme un pasteur. Axel Méril et ses chaussures aussi. C'est une grande histoire. On peut écrire le roman dessus. Ange Freddy, lui, ça fait un peu. Mais souvent, il s'habille comme les gens qui n'ont pas l'argent. Pourtant, il a le poil. Yes! Il y a plein d'influenceurs même qui ne sait pas s'habiller. Que quand il s'habille, tu as envie de le lapider. Hé, hey, Yasmin, tu veux pas te mouiller, ouais? Tu vois ton fond, j'ai payé la robe. Tu me laisses moi se critiquer. André, ça, là, ça te plaît pas trop, hein? Parce que, premier là, quand tu allais t'habiller, tu parlais beaucoup. Ça là, tu allais porter, tu parlais. Si ça te plaît pas, c'est que tu n'as pas de goût. Oh Seigneur. C'est vrai. Je suis prêt, oh. Pourquoi tu as pensé? Viens y voir. Parce que mon billet s'est plus. Non. C'est ça, il y a une histoire. Non, il y a une histoire. Mon personnel, ouais. À quoi tu as pensé? Explication. En fait, non, quand j'ai vu la robe, vous savez pourquoi j'ai pris la robe? Ça fait genre une petite fille, je sais pas, une petite brune, une petite blonde qui s'en va voir sa belle famille française, les Ducheval. Elle s'en va à Montpellier pour voir les Ducheval. Il fait 30 degrés, tu mets une petite robe comme ça, des petites lunettes de soleil. Tu vas voir ta belle famille. Oh Sophie, Sophie ta belle-mère, ton beau-père, tu vois non? Non. Ça dévient pas. En fait, moi le bas, là maintenant c'est évasé et tout, y'a pas de soucis. C'est le haut là. On dirait une mamie, ça c'est pas de ma belle-mère, le coup, c'est ta mamie même. J'ai pas aimé. Si tu veux, tu donnes combien? Sinon la robe est belle. Moi je peux porter la robe, bébé. Si tu veux des robes que tu supportes pas là, tu laisses ici, je porte. Deux. Pourtant j'ai expliqué l'histoire. Mais pour l'explication, 10. Sinon. C'est vrai que le coup là, ça. Ouais, le coup là, ça fait pas. Non, si le site c'était pas comme ça. Si le site là, la mannequin là, c'était pas comme ça. Attends, je te montre. Non, je te montrer. Si le site comme ça. La sauce aussi souvent. Oui. Ça va, c'est moi, ils ont tout gâté. Pourtant, la première là, j'étais très emballée. La mannequin là. Oh non, c'est pas pareil. Là, ça fait. Attends, t'as envie d'acheter? C'est ça. Donc, moi, je me suis dit que ça fait ça sur toi. Ils savaient pas que ça allait faire comme ça. C'est pas grave. Va t'échanger, bébé. En tout cas, c'est vrai que bon, cette robe là, quand j'ai vu sur le site, sur le mannequin, ça dosait. Vous-même regardez, sur le mannequin, ça dosait. C'est pas grave, l'autre robe va te plaire. L'autre robe va te plaire. Moi-même, je sais plus les robes que j'ai choisies. Même la verte que tu avais portée tout à l'heure là, je savais même pas que c'était comme ça, la première. Je suis prêt. Tu dis comme ça pour porter, après ça peut venir dire que ça te plaît pas. Aussi, les robes là, pour enlever, c'est pas facile. Hein. Attends, on dirait que celle-là, on dirait que. On dirait que ça te plaît. Oui. Hein, c'est quelle couleur? Rose. Rose là, ça dose, hein. Je me souviens. Rose là, c'est sexy aussi. C'est comme premier là. C'est toute l'Europe que je voulais porter, que j'ai pris. Bon, sauf deuxième là, que tu as porté tout à l'heure là. Ça, je peux pas. Ça fait chalotte aux fraises. Ça fait pas. Yeah! Ça donne. Ça dose, hein. Attends, la fente est fente. Mais. Genre, tu arrives comme ça. Au Bloom Abidjan. Bonsoir. Eh, hey, Seigneur, je viens devenir femme. Après des garçons là, comment ça m'énerver? En tout cas, j'aime. Donc, ça, tu donnes combien? 18. Faut développer qu'est-ce que tu aimes? Ce que j'aime, c'est déjà la couleur. Je trouve que ça me va au teint. Et puis, ça a un petit décolleté là qui est très bien. Après, j'aurais peut-être donné plus. Sauf que là, tu vois, là par exemple, la fente elle est un peu truc. Mais à part ça, voilà. Est-ce que tu peux la mettre comme ça? Parce que la fente est un peu. Ouais, la fente est un peu truc. À part si je. Tu vois, si on essaie de. Ouais, si tu. De pincer. En gros, si tu pinces, ça va. Oui, si je pince ici, ça va. Mais sinon, la robe est belle. Ouais, la robe est belle. Bon choix comparé à la première. Non, à la deuxième. La deuxième, voilà. Je valide. Oh, ok, bah si tu as validé, tant mieux. Va te changer. Okay. Attends, on doit filmer. Ah, oui, c'est... Tu vois, hein? Tu vois que derrière le YouTube, il y a beaucoup de travail. Maman. Il est aimé. C'est vrai, ça va avec ton teint. Tu es belle bébé aimé. Mais et les habits là me font. C'est mieux, hein? Nous avons parlé de toi. Vraiment? Je vous avais demandé de choisir les habits pour moi. Regardez la différence entre ce que vous avez choisi pour moi et pour moi ce que j'ai choisi pour Yasmin. Yasmin vous représente, vous les abonnez. Regardez la différence. Vous me parlez. J'aime le goût. Là même je rentre à Abidjan là. Ma grande soeur Daisy, on s'en va tourner son clip. Je vais choisir les habits qu'elle va porter pour le clip. Je sais agencer les vêtements. C'est vrai, Yasmin.
Absolument pas, c'est pas parce qu'il me filme, il est sage aussi les vêtements. Oui, oui, ça se voit en fait. Oui. Genre, on sent un goût derrière et tout. Voilà. Ça, c'est très simple, mais ça fait très... Ça fait très brunch et tout. Oh. Ça te plaît? Mais ça me plaît. Genre, c'est simple, mais c'est sophistiqué à la fois. Avec tes sandales en dimanche, exactement, petite terrasse parisienne. Avec un petit sac comme un ça. Un petit sac comme ça. C'est comme ça, ça. Ça, j'ai pensé même quand j'ai vu ça. Ça, j'ai imaginé dans ma tête. Donc, tu me donnes combien? Vraiment, je suis fort, hein? Donc, depuis là, ta seule déception, c'est la robe Charlotte aux fraises. Exactement. Sinon, depuis, tu aimes tout ce que j'ai pris. Franchement, la couleur, le foufou un peu, le volume. En fait, pourquoi j'ai choisi Yasmine? J'ai choisi Yasmine parce que j'avais vu son Instagram. Elle s'habille, hein? Voici son Instagram, je mets ça là, allez-y, regardez, voici un peu de photos d'elle. Elle s'habille, donc quand j'ai vu, je dis, mais celle-là, c'est un défi. Je voici les habits que j'ai choisi. Elle va aimer, elle va accepter. Parce que normalement, j'avais pris un petit. Faut m'excuser, hein? Sorry. Je l'avais pris, mais lui, franchement, son look, c'est les wesh. Je peux pas mettre mon. Même si c'est l'argent de Letty Shop, je peux pas mettre ton wesh. Je voulais le modifier un peu, changer son look, porter les chemises, tu vois. Mais je me suis dit que peut-être il va pas aimer. Tu vois, non. Ça a pas donné. Ça a pas donné comme je veux. Donc, excuse-moi. On dirait qu'il habite à Rouen, je sais pas. Loin, même, c'est loin. Ouais, c'est loin. Vas-y. Le film est filmé. Oh, mais la robe, elle est un truc, hein. D'accord. Il parle plus, mon cher. En fait, hier, je suis sorti, il a bu, franchement. C'est pour ça qu'il t'avait dit que si tu venais, on allait boire le champagne, tout ça, là, mais. Hier, là, non. Je suis rentré chez moi à 5, vraiment, ma tête chauffe. Je me suis levé à 11h pour aller faire le test PCR. Comme il voyage demain. La vie de Paris, vraiment, c'est une vie mouvementée. C'est quoi que tu es en train de porter, là, ça te plaît? Ah oui, ça, je me souviens. Robe chemise, ici. Ça, là, tu mets robe chemise avec tes baskets que tu as portées tout à l'heure pour venir. Ça fait. Ou bien des Converse. Par contre, quoi? Hein? En haut ou en bas? Quand il voit les femmes porter leurs robes comme ça, j'ai un pincement. C'est vrai, j'ai un pincement dans mon cœur. Tu sais que quand ma maman m'a accouché là, avant qu'elle n'accouche, on lui a dit qu'il était femme. Ah ouais? Oui, j'étais femme sur toutes les échographies. Hein. Sur toutes les, je te jure, sur toutes les échographies, j'étais femme. Elle avait fait la chambre en rose. On habitait chez mon grand-père à Boubou. Ils ont peint la chambre en rose. Et puis, je suis sorti garçon. Tu sais que mes premiers vêtements que j'ai portés, c'est des vêtements de femme. Parce que justement, tu sais, quand tu vas accoucher, tu prends des habits de bébé. Et elle avait fait le trousseau d'une fille, en fait, d'une petite fille. Donc, les premiers vêtements qu'elle a portés, là, c'est des habits de fille. Ça, moi, je pense que je n'ai jamais expliqué sur YouTube. Non, non. C'est pour ça que, ah, ça l'a pas étonné, oh. Mon modèle, là, elle s'est dit, mon cher, depuis le ventre. Mais je sais pas pourquoi on a dit que femme et puis c'est sorti garçon. En plus, avec les cheveux que j'ai, mes cils, tout ça, j'en ai belle. Maman, j'en ai fini la jambe des gars de Paris là. Mes cheveux allaient être longs comme ça, j'en ai comme ça, ma frange. J'allais tout tuer. Oui, j'allais être mince avec le gros sein. Dommage. Vraiment dommage. Passé à la deuxième. Vraiment. Voici ce que ça a donné. En fait, le seul bémol, c'est là. Mmh. Tu vois, c'est pour ça que j'ai mis un peu sur le côté pour ne pas que ça se voit. Si, si. Mais ça se voit pas trop. Mmh. La mannequin, même sur le site, elle n'avait pas fait sur le côté. Oui, parce que si je mets là, on va voir. En fait, tu as fait ça sur le côté sciemment. Mais ça va. Moi, mais franchement, j'aime bien. Hein. Oui, je trouve que c'est joli. Oui. Il y a un truc. Ça fait genre. Si, si. Viens, on voit. J'aime bien. C'est du blanc. C'est du blanc, oui. Un peu de couleur dedans. C'est une robe chemise très. On dit quoi? Printanière, non? Printanière. Non, été là, c'est quoi? Il sait pas. Très estival. Oh oui, c'est ça. Oui, très estival et tout. Donc, franchement, j'aime beaucoup. Tu notes combien? Franchement, j'aime trop. À part le petit vol. Attends, j'ai pas envie de donner 20. J'aurais 19,50. Attends, tu notes ça là beaucoup plus que la première robe. La première robe, tu as donné 19,50. Celle-là, elle est belle, mais je lui ai dit, c'est pas ouf non plus, tu vois. Ça te plaît, plaît, plaît même. Ça me plaît. Bon, moi, j'ai cru parce que ça me plaisait, mais je me suis dit que c'est pas la plus belle. Tu sais que l'autre est dans 20. Ok. Et puis celle-là. Mais ça, tu pourrais mettre ça pour aller où comme ça? Une sortie comme ça, des baskets. Si, super si. Plate. Même des sandales, une chaîne ici, comme là, tu accessoirises. Hey. Il peut faire le relooking. Christina, attends. Attends. Là, tu as porté combien de robes? Il reste 2 robes. Il reste 2. Ouais. Moi-même, j'ai envie de porter des robes. La chemise, tu peux, mais la robe, les robes. Hein, faut y va prendre les gens. Bah oui. Yeah. Tu as pas de ça, pas dire. Yeah.
Abidjan, même où il ne porte pas propre, propre, là, c'est vraiment bien porté. Ouais. Non, c'est pas comme ça. Hein. C'est Jean Chéri, regarde mon dos. Ah, ok. Si, si. Je me souviens parce que quand il a commandé là, le mannequin avait fait Chéri, regarde mon dos. Yassine, tu es méchante. De toute façon, quand tu avais porté la robe là. Tu vas servir la robe. C'est blouse qui arrive là, je me suis dit. Chéri, regarde mon dos. Hein. C'est quand Natacha derrière là, elle a laissé ça comme ça. Et puis elle voulait sortir. Tu es en train de faire un style avec. Mais toi, quand il y a vu ton Instagram, ça se voit que genre, tu aimes les Srekeli. On avait ça pour moi à Paris. C'est les combos. Les combos. Quand on dit les combos, c'est les beaucoup. Seigneur. Vous, là, l'alcool, c'est pas bon. Hein. Tout à l'heure, j'ai eu un truc comme si j'allais. Hey, comme si j'allais m'évanouir. Attendez, je bois de l'eau. C'est quoi, j'ai plus rien là-haut. Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont rien mis dans mon verre. Oh. Maintenant, on empoisonne les gens. Bon, il était mort depuis, hein, s'ils avaient mis le poison. Je pense que ça va. Des fois, le poison, ça va doucement. Genre, ça te tient à petit feu. Exactement. J'en ai peu, un peu. Yeah, ça dose. C'est moi qui ai choisi, il ne peut pas trop critiquer. C'est ça qui fait. Ça dose, mais en fait, c'est la... La matière. La matière. La matière, ça fait... Ça fait cheap, voilà. Ça fait genre... Oh, la robe n'est pas chère. C'est juste. Alors, la matière, ça fait cheap. Non, ça dose. Après, en photo, je peux porter ça pour un shooting. On va pas savoir que la matière est... Tu vois, là, on vous dit, regarde, regarde. Regarde, on sent pas. Mais... En vrai, ouais, c'est pas... Pas trop ça. Mais tu pouvais porter ça pour aller aux Oscars des blogueurs. Il y a eu Oscars des blogueurs de la culture nationale. Non, mais je jure. Celles qui sont allées porter quoi. J'ai vu quelques directs, maman. Toi-même, tu dis que ça, là, c'est cheap. Voilà. C'était cheap. C'est cheap. Impression. La coupe est bien, mais la matière n'est pas trop ça. Et puis, je suis pas très fan du, tu vois. C'est parce que j'ai mis le truc ici. Sinon, normalement, là, c'est vide. Et c'est pas... Ils auraient pu descendre un peu. C'est pas esthétique. Franchement, à sauce, c'est ce coup-là. Franchement, vous avez zaillé. Ouais, c'est... C'est moi qui ai choisi, mais... Après, je suppose que sur le mannequin, c'était bien. Hein, parce que c'est comme le drop, là. Je vais te montrer. Tu fais confiance et puis après, quand ça vient... Tu vois, non. Y a poil. C'est ça. En tout cas. Non, c'est quoi la note? 4 sur 20. Médiocre. 4 sur 20. Mais ça dose en vidéo. En drone en photo, ça dose. Si genre tu repasses, tu fais un bon shooting. C'est bon. Il reste une robe. Mais pour ça, tu as tout porté. C'est fini. C'est fini. 22. Ah. Elle a porté toutes les robes. Je vous ai confirmé que je savais choisir les habits et que je savais habiller les gens. Parce que là même, j'ai choisi que les habits. Je pouvais accessoiriser les choses comme ça. Je vais demander à Letyshop si on peut faire la partie 2. Ils n'ont qu'à me donner l'argent pour payer. On va faire la partie 2. Je vais payer les habits. Cette fois-ci, je vais... Bon, là, j'ai choisi quelqu'un qui était déjà stylé à la base. Parce que j'ai vu son Insta. Cette fois-ci, je vais choisir un abonné ou une abonnée. Que je... Quand je regarde son Instagram, je dis, c'est quoi ça là? Puis maintenant, je relouque la personne. C'est ce que je vais faire. Mamie, tu fais quoi? Ta robe, elle te plaît où? Non, la robe est trop belle. Ouais, trop belle. Franchement. Ouais, je vois, oui, c'était donc la vidéo avec Yasmine. On espère qu'elle t'aura plu. Tu as bien aimé. Franchement, oui. À part les deux robes. C'est vrai que ça... sur les 6 robes, tu as aimé que 4. Oui. Vraiment. C'est déjà ça. C'est plus de la moitié. C'est ça. Donc, on espère que la vidéo vous aura plu. Dites en commentaire ce que vous avez pensé des tenues que j'ai choisies de Yasmine. Bon, elle est un peu timide, hein, c'est normal. Elle n'est pas youtubeuse. Et puis voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Abonnez-vous. Hein, abonnez-vous à Yasmine. Ou bien c'est à moi. Oh, merci. Oh, il est aimé. Abonnez-vous. Et puis voici l'Instagram de Yasmine. Abonnez-vous aussi à elle. Et puis n'oubliez pas le lien Letyshop dans la description. Téléchargez Letyshop. Inscrivez-vous et puis bah, partagez. Partagez quoi? Bisous. Salut.